Salut, c'est Cyril Mocaillet. Je vous présente mon nouvel album Clôture dans les instants privilégiés sur hotmixradio.fr. Version acoustique de ce titre, je fais comme si Cyril Mocaillet dans les instants privilégiés d'Hotmix Radio. Donc un titre composé, et c'est toute mon erreur de tout à l'heure, par, j'ai essayé de retenir le nom, Rain Over Hand. Bravo. C'est comme ça qu'on le dit. Mmh. Voilà, donc j'étais en fait en pleine révision de ce nom-là, parce qu'en fait, tu as tout écrit sur l'album à part deux titres qui ont été composés par lui. Et moi. Et toi, en binôme. C'est important de temps en temps de prendre l'inspiration d'autres, travail d'autres avec soi. Ouais, je l'ai découvert sur ce disque particulièrement. Je l'avais fait aussi avant avec mon groupe quand j'étais plus jeune, j'avais 20 ans. Où là, on faisait les arrangements, les musiques ensemble. Donc c'était, voilà, j'avais pu observer que c'est de temps en temps très reposant et puis surprenant parce que à un moment donné, quand on écrit les textes et qu'on essaie de s'approprier une mélodie, mais que quelqu'un a amené sa valeur ajoutée ou voire même à apporter les premiers accords d'une chanson, ça ouvre carrément les perspectives. Parfois, on a tendance un peu à répéter la même chanson, même si nous, on le sait, les autres ne l'entendent pas forcément toujours, mais on reste dans des systématismes ou des grilles d'accords qui peuvent être un peu fermées, et d'un coup, quelqu'un arrive avec quelque chose de très nouveau, très différent, et ça passe comme une lettre à la poste après. Ces chansons, elles sont écrites. Tu disais que là, il t'avait amené une musique, des idées de un peu pop, etc., et des paroles que tu avais de ton côté. C'est souvent les musiques qui donnent des idées aux paroles, ou là, en l'occurrence, ça allait ensemble et fait de façon distincte. Il y a un peu de règles, ou finalement, c'est en fonction d'idées, de thèmes, et après des. Moi, je sais à peu près de quoi je vais avoir envie de parler, et puis en fait, après, une fois que je sais. J'ai rien écrit encore, mais je devine à peu près le sujet, et à ce moment-là, je prends l'instrument et j'essaie de me faire un cadre musical, quoi, une suite d'accords qui va me permettre de faire la avec une mélodie qui va m'inspirer des mots. Donc ça commence par la musique et les mots prennent le relais. Alors demain soir, tu seras en concert à Paris, à la Maroquinerie. Du coup, sur scène, entre ce qui est fait pour l'album, ce qui est écrit au départ avec un instrument et ce qui est sur scène, j'imagine que tout ça évolue ou se reconstruit ou... Ouais, on a quasiment enregistré tout live en studio, donc on a un son de groupe qui a fait le son de l'album, auquel on a rajouté quelques arrangements de cordes sur certains titres, dont on va se passer sur scène. Là, on revient au son de groupe qu'on avait en répétant les morceaux dès les premiers moments où on envisageait d'enregistrer. Donc là, c'est un groupe qui joue. D'ailleurs, le groupe, pour la plupart des musiciens avec qui j'avais commencé en 2008, Yann Famutri à la guitare, Eric Langlois à la batterie, et Valentin, avec qui j'ai travaillé ces dernières années. Sur cet album, j'ai réuni un peu les gens avec qui j'avais passé le plus de bons moments et de belles expériences, et puis avec qui j'ai confiance. Et du coup, j'ai fait un peu ma dream team, qui me suit sur scène, donc ils vont jusqu'au bout et on se lâche pas. Donc avant en concert, il y aura quoi comme proportion de titres de cet album Clôture ou des précédents? Clôture, je pense qu'il y aura tout l'album. Tout l'album. Ouais. Il y aura même un ou deux inédits, je pense, et puis quelques chansons comme ça, ouais, que les gens aiment bien, et puis que moi j'ai encore plaisir à réinterpréter. Je dis réinterpréter parce qu'on leur a un peu on leur a un peu cassé la gueule là pour les mettre un peu dans le mood Clôture, quoi. D'accord. Donc demain, pour ceux qui le verront, donc 28 février à la Maroquinerie, peut-être le plaisir de voir Lavilliers ou quelqu'un d'autre, ou ça se dit pas et on verra bien. Peut-être pas Lavilliers, mais peut-être quelqu'un d'autre, ouais. En effet, quelqu'un d'autre, et puis peut-être... À voir. Peut-être Giovanni, peut-être Elodie, peut-être... voilà, on va essayer de se marrer. Non, mais oui, il y aura sans doute des invités, et j'ai envie que ce moment soit... un moment en partage avec le public, mais aussi avec tous ceux qui ont participé au disque et avec qui j'ai des liens, on va dire, et pas tous les jours, mais voilà, c'est une date particulière pour moi, c'est sûr. J'ai envie de remercier les gens qui m'accompagnent depuis un moment. Tu les remercies d'ailleurs à la fin de l'album, et j'aime beaucoup aussi la dernière phrase, et toi qui me lis. Oui, parfaitement. Donc, merci de nous remercier, nous qui avons lu jusqu'au bout le livret. Je vais te proposer de choisir un titre que tu voudrais nous faire écouter en version studio de l'album Clôture, si tu veux bien.
Bah, on parlait d'Élodie. Houleux. Houleux, très bien. Je vais le faire correctement cette fois-ci, Cyril Mokayesh avec Élodie Frégé. Cet extrait de l'album Clôture, et c'est donc Houleux dans les instants privilégiés d'Atmix Radio.